On peut l'utiliser que ce soit pour les cheveux, pour le visage, pour le corps. On va parler aujourd'hui d'un ingrédient qui est soit mal aimé, soit très aimé. Alors, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que ça fait partie de mes soins lavants préférés parce que, voilà, quel que soit ce qu'on dit, c'est notre culture, c'est notre héritage et il suffit de savoir l'utiliser pour pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits. Donc, si tu as envie de savoir de quoi je parle, ne bouge pas, c'est à la suite. Hey mes chéris, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo soins du corps. Mais avant toute chose, si tu passes ici pour la première fois, tu es chez Antifree. Ici, on parle de soins coréens, de beauté naturelle, d'accompagnement skincare. Donc, si tu as envie de prendre soin de ta peau, si tu as envie de savoir comment sublimer ta peau, tu es au bon endroit. Oui, je me rends compte que je suis excitée, je sais pas pourquoi. Il y a du soleil, tout simplement, et puis je suis contente de refilmer, donc ceci explique cela. Alors, on parle aujourd'hui du savon noir, du vrai. Faites pas attention à mon ongle, hein. On a été confinés, voilà, on est de nouveau confinés. Ma prothésiste m'a appelé, je crois, le samedi d'avant, mais je pouvais pas. Donc, du coup, je me balade avec des doigts, voilà. Mais c'est pas ça le but de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du savon noir et de toutes les bonnes choses qu'on peut faire avec. D'accord? Donc, restez focus sur le savon noir. Donc, je vous parle du vrai, celui-là qui est bien attaché comme ça dans le papier. Dans nos pays, ça, on appelle ça papier de ciment. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait l'Afrique, le savon noir, c'est vraiment dans cet emballage-là. Vous allez le voir comme ça sur les marchés. Pour celles aussi qui connaissent l'Afrique, vous savez que c'est dans le même type de papier qu'on fait la viande braisée. Donc, c'est pas à propos, mais vous savez qu'il faut toujours qu'on fasse une petite allusion à la nourriture ici, tout le monde sait que j'aime manger. Bref, on se recentre. Je disais que je vais vous parler de cette petite merveille-là. Moi, depuis aussi longtemps que je me souvienne, ça fait partie de notre culture, de nos soins nettoyants. C'est vrai que il y a des limites à son utilisation parce que, voilà, il a beau bien agir. Si derrière, on n'a pas les gestes qu'il faut, on peut avoir l'impression qu'il est dangereux pour notre peau, notamment à cause de son pH qui est assez élevé. Mais je vous dis dans cette vidéo comment on peut s'en servir. Avant tout, de quoi est-ce qu'il est composé? Alors, il existe plusieurs types de savon noir. On a le savon noir maghrébin, donc vous savez, celui qui est à base d'huile d'olive, c'est une pâte que nos sœurs du Maghreb utilisent comme gommage et tout. C'est pas de celui-là qu'il s'agit. On a un qui vient du Ghana, qui est un peu plus blanc. J'en ai plus ici en stock malheureusement. Donc, il est un peu plus clair. Donc, la couleur, elle va tirer plutôt sur du beige. Et puis, on a celui-là qui nous vient du Nigeria. Donc, moi, dans mon dialecte, on l'appelle Anango Samlin. Savon d'Anango. Parce qu'en général, en Côte d'Ivoire, on a cette. Voilà. De façon générale, on appelle les Nigériens, ceux qui viennent du Nigeria, Anango. Donc, en Ani, on dit Anango Samlin. Donc, c'est un savon qui est fait à base de beurre de karité, d'huile de palme, d'huile de coco, selon certaines zones, de cendre végétale et de. Qu'est-ce que j'ai dit? De peau de banane plantain, c'est très important parce que c'est un très très bon antioxydant. Donc, c'est ce qui donne au savon noir ses propriétés antioxydantes et anti-âge. Alors, pourquoi donc doit-on l'utiliser? Il est tout simplement excellent pour purifier la peau. Vous allez voir que pour en Afrique, pour traiter tout ce qui va être poussé de boutons, bourbouille chez les enfants, de l'eczéma, de l'acné, on va se tourner vers ce savon-là. Il est cicatrisant, il est clarifiant, il donne une bonne mine, il est purifiant pour le cuir chevelu, il est assainissant aussi. Quand vous avez des pellicules ou quoi, vous pouvez l'utiliser pour assainir votre cuir chevelu. Quand vous avez les cheveux très drus, quand vous voulez utiliser un nettoyant naturel, moi j'utilise le savon une fois par mois pour nos cheveux, à ma fille et à moi. Donc je me tourne souvent vers le savon noir que je fais fondre dans un peu d'eau et on va l'utiliser comme shampoing végétal. Vous pouvez y ajouter un peu de miel pour le rendre plus doux, vous pouvez y ajouter du sirop d'agave, de la glycérine. Bref, on peut s'amuser avec ce savon-là. C'est vraiment l'allié pour les soins naturels. Je vous ai parlé du fait qu'il peut être asséchant. Donc, comment est-ce qu'on peut
contrecarrer ce côté asséchant-là, c'est de le rendre nourrissant tout simplement en y ajoutant du miel, de la glycérine, des poudres. Je pense que sur YouTube, il y a pléthore de recettes à base de savon noir pour le rendre plus doux, le rendre plus malléable, moins asséchant pour notre peau. Donc moi, je le prépare de deux façons et j'ai eu envie de vous proposer, j'ai déjà parlé de la façon dont je l'utilise pour le corps, dont je commercialise d'ailleurs cette pâte nettoyante au savon noir. Celles qui l'ont déjà utilisée peuvent vous dire. Et je vais vous montrer aujourd'hui une petite recette de gel douche pour tous les jours tout simplement. Donc je disais tout à l'heure que j'ai deux versions. Donc ça, on a le Glow Effect. Donc je le rapproche pour celles qui me suivent sur Insta, sur l'Insta de mon site de commerce. Vous savez que c'est un must-have chez moi, ça. Donc c'est une pâte nettoyante unifiante pour le corps à base formulée entièrement avec du savon noir. Donc vous avez vu comment je l'ai rendu. C'est une texture nettoyante qui va nous aider à nettoyer la peau en profondeur. Donc c'est du savon noir, de la glycérine, certaines poudres végétales, de la vitamine E. J'ai déjà mis la recette, je crois, sur une vidéo où je parle du savon noir. Donc il est enrichi en plusieurs nutriments. Donc quand vous allez l'utiliser, c'est vraiment comme un nettoyant profond. Donc moi, je recommande de l'utiliser une à deux fois par semaine pour vraiment ouvrir les pores, les débarrasser de toutes les impuretés pour rendre votre teint. Second, on va avoir mon nouveau chouchou, mon nouveau bébé tout simplement. Donc lui, je vais vous montrer en démonstration comment est-ce que je l'ai réalisé. C'est vraiment des choses simples qui sont accessibles à tout le monde. Après, si vous n'avez pas le temps ni la patience de le faire, vous pouvez passer commande. Donc c'est un gel douche au savon noir. Donc comme vous avez pu le voir, il est assez onctueux et je voulais pas quelque chose de trop moussant parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'un soin mousse jusqu'à faire déborder votre salle de bain qu'il nettoie. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Vous restez bloqué sur le côté moussant des soins. C'est un peu comme quand je dis à des personnes que j'utilise du miel ou du lait ou de la poudre de pois chiche pour nettoyer mon visage, on tombe des nues parce qu'on se dit « Ah, mais ça mousse pas, donc ça ne lave pas. » Non, pas du tout. On n'a pas forcément besoin que quelque chose soit trop moussant pour avoir un côté nettoyant. Donc, on a ce petit gel douche-là. Je vous laisse avec la recette et je vous retrouve après. Pour vous dire au revoir quand même et vous faire le bisou de la fin. Pour réaliser notre gel douche, on va avoir besoin d'une infusion de peau d'orange. Donc, vous connaissez les vertus des peaux d'orange. Elles sont antioxydantes, elles sont bourrées de vitamine C. Donc, on a envie d'avoir un teint glowy. Après avoir laissé macérer dans de l'eau chaude pendant toute la nuit, j'ai mixé légèrement et j'ai filtré. Voilà ce que j'obtiens. Donc, dans cette préparation, je vais mettre 100 g de savon noir parce que je ne veux pas que le gel douche soit trop asséchant. C'est pour ça que je prends une petite quantité de savon noir. Donc, je découpe mon savon noir et je vais le laisser macérer dans cette préparation pour qu'ils se ramollissent et qu'ils deviennent liquides tout simplement. Donc ne faites pas comme moi, à force de tourner à un moment donné ça moussait. Donc voilà, pour changer un peu je vais utiliser du sirop d'agave pour apporter le côté émollient. Vous pouvez le remplacer par du miel si vous n'avez pas. On va mettre de la gomme xanthan, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la texture gélifiée et légèrement épaisse. Encore une fois, ne faites pas comme moi, mettez-en sous forme de pluie, c'est-à-dire petit à petit. Ne faites pas comme une folle à verser tout en une fois parce qu'après c'est galère pour mélanger. Je vais ajouter 5 ml de mon Glow Effect, mon sérum pour le corps qui me donne ce glow que vous voyez dans toutes mes vidéos. Un peu de vitamine E. J'ai ma vidéo sur la vitamine E. Je ne vais pas reprendre les propriétés ici. Vous savez tout ce que ça fait. C'est très bon pour la peau. C'est émollient, c'est hydratant, c'est antioxydant. On va mettre un peu de parfum parce que le savon noir peut avoir une odeur assez forte. Donc voilà le résultat final. Et pour faire joli, j'ai mis à côté le Glow Effect qui est notre savon noir signature de chez Ilien Bar Anti. Alors comme vous avez pu le voir, c'est une recette accessible à tout le monde. C'est juste du savon noir, un peu d'eau. Vous choisissez ce que vous voulez. Moi, j'ai préféré prendre un macérat d'orange parce que vous savez que le glow, c'est important. Il commence à faire beau ici. On n'est pas là pour traumatiser le teint. On n'est pas là pour baisser de gamme. On cherche à augmenter. Je ne cherche pas à être claire, mais je cherche à maintenir le teint. Donc, c'est vraiment que des soins entièrement naturels. Après, vous pouvez utiliser de l'eau, tout simplement. Ça ne change absolument rien. Si j'ai ajouté de la gomme xanthan parce que je voulais quelque chose d'onctueux et d'épais. Donc, si vous ne voulez pas
Si vous n'avez pas de gomme xanthane, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser tout simplement, mais votre gel douche va finir un peu plus rapide. Donc, ces trois soins-là sont disponibles à l'achat chez moi. Bon, ça, c'est quelque chose que je fais sur commande, mais ça, c'est un soin que je vends depuis, on va dire, 6-7 mois, que je vends régulièrement, que ce soit ici en France ou en Côte d'Ivoire. Et le savon noir brut, comme ça aussi, vous l'avez. Donc, lui, je le reconditionne en petites fleurs. Donc, c'est des petits morceaux de 100 grammes que je vends. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre la page Insta là, ou même ici en commentaire si vous êtes intéressé par ces soins. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être là. Merci de vous abonner. Merci d'être là tout simplement, merci de me porter, de me donner la force, merci pour vos différents messages à chaque fois, pour vos témoignages, pour vos retours de ce que mes conseils vous apportent. Faites de gros gros bisous et puis à bientôt. Mouah!